Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Lego DC Super Vilain du coup. Et du coup on s'est retrouvé là. Je sais pas du tout ce qu'on va aller faire. Bah Lego, hein, c'est parti. Alors, continuez votre histoire. Hé, hey, Lois, ça marche. D'accord, Jimmy. Juste une minute. Lois Lane, la journaliste de renommée internationale, toujours au cœur du... de l'actualité. Allô? Non, j'essaie de joindre Jim Gordon, le commissaire Gordon. Tu me lâches un peu avec ta nouvelle caméra, Jimmy? Va filmer Clark, plutôt. Oh, pas possible, Lois. Clark n'est pas encore arrivé au travail. Ça ne lui ressemble pas d'être en retard. Oh, allô? Commissaire? Bonjour, Lois Lane du Daily Planet. Une déclaration sur l'intrusion au laboratoire Amazo? Oui, mademoiselle Lane. Nous faisons tout notre possible. Le suspect que l'on transportait? Je ne peux rien dire là-dessus. Non, on ne l'a pas encore retrouvé. Pas ici, Harvey. Mettez ça dans le coffre. Mademoiselle Lane, je vous laisse. Je dois aller déjeuner avec ma fille. Ces journalistes. Voilà. Allez chercher nos jouets dans le coffre. Harley et moi, nous vous retrouverons dehors quand c'est fait. Allez, hop. Désolé, Barbara. Le déjeuner attendra. À toutes les unités, code rouge. Devinette, que fait un végétarien devant une dinde bien isolée? Alors, c'est pas le moment. Déjà, faut les tuer. D'autant moins que votre présence n'est pas passée inaperçue. Prêt, messieurs? Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Oui, sauf que moi j'ai appuyé sur X au lieu de B. Wow, je vais peut-être pas aller là en fait. En vrai, je vais être obligé. Oh non, je peux pas en vrai. J'ai peut-être une idée. Non, ça marche pas. Hop. Ah! Ah non, j'y étais! Je vais prendre toile. Je sais pas par où il faut monter. Je sais pas du tout par où il faut monter. On va voir là. Ah, ça c'est pas mal ça. Mais non, moi je veux pas le mettre sur ça là. Sur ça là-bas. Là. Pas là aussi. Oh. Alors là. Comment est-ce qu'on passe? Peut-être ça? Ah ouais, belle. Ah, parfait. Les cascadeurs sont là. J'espère que vous savez comment tomber.
Les gens ne se lassent pas de nous proposer des défis aussi faciles. Gordon à toutes les unités. Demande de renfort. Je répète, besoin urgent de renfort. Appeler à l'aide ne vous sauvera pas, commissaire. Une fois que nous serons passés... Hé, hey, mais où il va comme ça? Il a fermé les portes pour nous retenir. Il va falloir trouver une solution. Aucun problème pour le prince des énigmes. La seule chose à craindre est la peur elle-même. Et moi. Ça alors, cette toxine de terreur est des plus efficaces. Ça m'impressionne. Il y a de quoi être impressionné. Bien. On n'a plus qu'à penser ce poste de sécurité. Ensuite, ça devrait pas être difficile d'atteindre le coffre. Pas si vite, gueule d'argile. Il semblerait qu'une tourelle à l'allure menaçante nous barre la route. Devinette ! Quel genre de commissariat de police emploie un système de sécurité aussi avancé et savamment élaboré ? Le genre qui se trouve à Gotham City. C'est bien vu. Huh?
un truc? Bien, chef. Je suis un génie, pas un génieur. Je laisse ça à quelqu'un d'autre. Tombez vraiment comme des cheveux sur la soupe. Vous ne voyez pas que je suis occupé à être génial? Oh,
aucun problème pour le prince des énigmes. J'espère que ce qu'il y a dans ce coffre en vaut la peine. Ouais, sinon il y en a un qui va le regretter. Pas de mauvaise histoire. Nous arrêter cette fois. Plus d'un geste, oh. Espèce de gros tas de boue. Oh, Batgirl, Nightwing. Cette preuve ne sortira pas d'ici. Ah non? Petite devinette. Qu'est-ce qui a 10 vies et 3 visages? Nous. On nous a dit qu'on pouvait venir récupérer nos affaires. Voilà pour toi, l'artiste. Tu me l'as récupéré. Mets-le ici. C'est ça que tu cherchais? Oui, je me sentais un peu trop démunis. Montrez-moi vos papiers, Dieu. Ah, Harley, essuie-glace. Je croyais que c'était réparé. Bienvenue, bienvenue à tous. Goûtez le poisson. Ferme un peu ton bec, pingouin. Peut-être, très chère amie Féline, devrions-nous combiner nos efforts pour tenter de rassembler ces précieuses beautés.